Eh bien, on continue. Donc, la sombre cave de la taverne, trouver le trésor, tuer tous les monstres, aucune capacité. Ok, donc utiliser aucune capacité et tous les événements inspectés. Allons-y! Arrête, en sifflant, tu empestes la culpabilité à trouver lieu à la longue. Et on fait comment pour avoir l'air innocent alors? On ne fait rien. Je dois avoir mon expérience de comptable. Avoir l'air innocent, c'est mon métier. Bon, ne traînons pas. Le prochain donjon est encore joué. Quoi? Déjà? Mais on vient juste de sortir celui-là. Écoute, je ne vais pas te faire un cours de compta, mais avec le maigre pécule qu'on vient de se faire, on a intérêt à ne pas traîner si on veut rester à flot dans la boucle. Tu as raison, mais alors dépêche-toi, il faut se mettre en route et avec tes courtes jambes, tout nous ralentit. Ouah, ça crache! C'est que gamin que je ne trouve particulier que je te trouve particulièrement irritant. Irritant? Ah, misère. Alors, les bonus. Alors, ne pas utiliser de capacité. Donc, on va pas les utiliser. Et tuer tous les monstres et inspecter tous les lieux. Ça, c'est réalisable. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? On va inspecter. Régénération vie. Je sais pas si j'en avais besoin, si apparemment. Au moins, je sais que je pourrais peut-être retourner. Ah, je sais pas si je peux y retourner et me régénérer la vie. Hein. C'est pas dit. Hein. Ok, ici c'était un cul-de-sac. Baghand. Un autre événement. Une potion d'endurance, ok. Déjà plus grand ce donjon. À l'attaque! Eh hey gamin, j'ai gagné cette fiole de poison en pariant à la taverne. Essaye d'enduire ta lame avec. Oui, enduit la lame avec lame empoisonnée. Oh oh! Boum! Du coup, j'ai même pas regardé ce que ça faisait. Ah, mais en fait, il est pas. Il s'est pas fait empoisonner. Alors. Il y a d'ailleurs un pourcentage de chance. 40% pendant 3 tours pour la fin de l'âme. Ok. Et ça fait 6 dégâts autrement. Ben voilà. Niveau 2, wouhou! Et j'ai gagné une amulette des morts. Amulette des morts. Ça me retire un point de vie, mais ça me fait 5 points d'endurance, si je me suis bien souvenu. Alors, les talents de Elien. Augmente les dégâts de perforation et augmente les dégâts de tir précis. Voilà. Un petit point à chaque côté. Un grimoire. Bénédiction furie. Qu'est-ce que ça fait? Plus 10 critiques pendant 4 tours. Et un dommage par tour pendant 3 tours. Ok, intéressant. Sympa. Je me souviens pas qu'il y avait ça dans la démo. C'est possible qu'il y ait eu des rajouts, honnêtement. Vivi, j'ai alors de 5 côtes. Je suis sûr que tu bluffes, tapis. Ça vous ennuierait de vous occuper de nous? Eh, vous ne croyez pas qu'on est occupé? C'est la partie de ma vie. Enfin, de ma mort. Bref, vous m'avez compris. Repassez demain. Mais nous venons de loin pour explorer ces donjons, vous savez. Je m'en moque. Et toi, montre ton jeu. S'il vous plaît, ce n'est pas correct. Et Lyon, apprenons-leur la politesse. En leur défonçant la gueule. La politesse version 1. Alors. Je fais plus de dégâts là avec certains. Bon, on va. Ok, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Boum. J'ai récupéré un os. Je vais les régénérer un petit peu là parce que 6-14, ouais, et l'autre 3-18, ouais, surtout lui. De toute façon, j'ai qu'une potion. Je vais pas faire autrement. Je vais essayer après de retourner à la source de mana, enfin de vie plutôt. 4328, 4328, 4329, 4330, 4331. Mais que faites-vous? Une seconde, 4333. Ah non, ah, vous m'avez vu à mon compte. Je vends les objets aux aventuriers qui venaient dans les donjons.
Ah super, montrez-nous ce que vous avez à vendre. Ça me détruit la gorge. Pas ici, pauvres inconscients, je suis là uniquement pour faire de la pub. C'est moyennement légal ce que je fais. Retrouvez-moi dans mon échoppe plus tard, si vous souhaitez marchander. Et chut, ils nous surveillent. Illuminati, tout ça. C'est la sorcière complotiste. On trouve vraiment n'importe qui dans les donjons. On trouve les conspirationnistes. Tu parles de moi, gamin? Fais attention. Ah non, je veux pas la fin du donjon. Attendez, oh. J'ai des bonus à respecter. Ok, bon, on va retourner. Hop, hop, hop. Est-ce que du coup je peux régénérer ma vie? Non, je ne peux pas. Bon à savoir. Oh, un piège. Hop. C'est quoi déjà les défis bonus? Ne pas donner des capacités, tous les monstres tués. Comment ça, aucune capacité, ça marche plus? Ah, me dites pas que... Merde. Mes capacités. Attendez, vous voulez pas dire que c'est pendant le combat les capacités quand même? Ça serait chier ça. C'est une capacité ça. Capacité ça. Bon écoutez, c'est pas grave hein. On va pas trop c'est pas grave si j'ai pas tous les trucs bonus, mais ça merde, enfin j'étais persuadé quand même que j'étais bon là-dessus. Ok, bon bah on revient. Genre là j'ai fait 2 défis sur 3, bon bah tant pis hein. Ah non, bah non, bah... Alors, viande crue, corde et de l'eau. Psst, par ici, vite, avant qu'il ne nous voie. T'as vraiment une gueule. Regarde un peu ce que j'ai, et n'oublie pas, mon stock change de temps en temps. Alors, ça c'est mon inventaire. C'est quoi, Paris? Parier plus pour gagner plus. On croirait un mauvais un mauvais slogan de campagne politique. Si je fais ça, c'est quoi? Ok, alors bon, on va l'acheter déjà ça. On va lui vendre genre ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui coûte cher? Enfin, qu'est-ce qui se revend cher? 6. Vu que là l'artisanat, le crafting, je l'ai pas encore, ça sert à rien. Potion purifiante. Ok. Ça me vaut 0, ça fait chier, j'aimerais bien vendre. 65. Alors ça honnêtement ça rapporte gros. Et je la mettrai jamais parce que ça retire un cœur, ça m'intéresse pas. Donc clairement je vais la vendre. Et du coup elle, dague en fer, casque en fer, et ben on va lui acheter ça. Allez. Allez, achetez tout. Putain, j'avais tellement de mal. Oh. Mon cerveau a bugué. Oh là 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 là. Il est temps que je fasse, que je me repose. Et que j'arrête de faire n'importe quoi. Misère de misère. Allez, on fait celui-là, puis je vais m'arrêter là. Je sais pas combien de temps ça fait. Pas mal de temps que je joue, je pense que j'aurais eu le temps de faire moins 2 vidéos. Le premier challenge de l'équipe. Oh, trouver le trésor. Aucune potion. Ça va être dur. Aucun piège déclenché. Aucun chaos. Et ben on va essayer. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est attribuer la dague en fer et puis le casque que j'ai récupéré. Genre, le casque. Voilà. Et lui, la dague en fer. Quoi qu'attendez. Merde, j'ai pas fait gaffe. Plus 1, plus 1. Et ça, ça faisait quoi? 1. Et la petite botte, c'est quoi, ça? C'est pas si utile que ça, hein. On va pas lui équiper. Mais sachant que j'aurai d'autres personnages ensuite, bah... Je pourrais leur équiper, justement. Ok, alors...
Dépêchez-vous de piller le trésor avant que quelqu'un ne s'en charge pour vous. Petit coup de pouce, c'est bas, droite, bas, puis au fond à droite. D'accord, bon, bah on va faire ça. Donc droit à droite et après ce sera au fond à droite apparemment. Et mais du coup moi je veux pas sortir tout de suite du donjon, enfin je veux dire j'ai envie de tout explorer si vous voulez. Parce que qui peut me le prendre avant moi, enfin je comprends pas le délire. Alors là déjà ils sont beaucoup. Par ma barbe, par ma barbe, il y en a trois maintenant. Je vais leur montrer comment les nains brisent les rotules. Trompe débloquée. Ah d'accord. Tournoie vers les ennemis et frappe la ligne de front. Oh, intéressant ça. Très intéressant même. Quand donc tous les ennemis sont sur une ligne, on peut. Bah ils sont tous attaqués quoi. Boum. Ça fait déjà plus de dégâts, hein. Ah voilà, j'ai trouvé le trésor. Enfin, le trésor est à nous. Excusez-moi, mais je supputerai qu'il y a heurorisme. Ah oui, putain. Ok. Excusez-moi, mais je supputerai qu'il y a heurorisme. Ce trésorisme est à ma personnalité. Eh ben, c'est qui je suis là? Je me nomme Pod. Je suis ménestrel de mon attitude, chasseur de trésoreté et séducteuriste de ces dames. Et je vous annonce soit que ce trésor est à moi. Ok, c'était peut-être pour ça le panneau indicatif. Et en quel honneur? En l'honneur du respect des plus profondes traditionnalités de l'aventurisme et de l'héroïsme. Je l'ai vu le premier. Mais il se moque de qui, le blondinet? On t'a pas vu de tout le donjon? Ah, mais le donjonisme n'est que pour les gueux comme vous. Pour ma part, je passade par la porte de derrière. Quoi? Mais c'est de la triche! Il en sera ce que j'en chuterai. Sur ces bonnettes paroles, je vous laisse soi. Pas de temps de partir avec le trésor sous le coude. Où crois-tu aller, serveur? Thorgrim assomme Pod d'un coup de marteau. Ah, carrément, quoi. Il me brise le crâne. Du calme, Thorgrim. Tu vas le tuer, si ce n'est pas déjà fait. Il l'a mérité. Arrête, il pourrait nous être utile. Et à quoi, au juste? J'ai ma petite idée. Haha. Il est mort, enfin, il a le crâne brisé, mais il rejoint notre équipe. Alors non, pas maintenant. Je veux encore continuer à explorer le donjon. Alors du coup, lui, la pod. Eh ben, on va lui équiper la dague. Parce que son loot, là, ça ne faisait strictement rien. Et du coup, il a des talents déjà débloqués. Alors, augmente le stat magie. Alors lui, je crois qu'il va... C'est le soigneur, quoi. On va faire ces deux-là. Hein. Voilà. Et bien, on va continuer d'explorer. Ah oui, c'est ça. 60% de chance d'infliger sommeil aux ennemis avant un combat. On va essayer ça. Yeah! Du coup, je prends un avantage. Ça, c'est sympa, honnêtement. Bon, il n'y en a qu'un qui est endormi, mais c'est déjà ça de plus. Oh non, le Pokémon adverse se réveille. Alors lui, Mélopée stridente, un chant si horrible qu'il peut endommager un ennemi, augmente l'armure de tous les alliés. Inflige silence à tous les ennemis et les blesse. Donc ne veut pas utiliser de mana. Ah, ça peut être pas mal ça. Vu que lui, c'est un mage. Techniquement, il peut pas attaquer. Ok, il a pu. Alors peut-être que ça n'a pas marché, je sais pas. Quoique je lui ai mis la dague, mais s'il attaque pas de front...
S'il a que de la mana, Pod, je sais pas si ça lui sert. Je sais pas, écoutez, pire, je changerai plus tard. Ok, alors, c'est... Ici, c'est un cul-de-sac. Non. Bam. Ah, je l'ai assommé. Oh. Tiens, on prend une note de musique. Ah. Ah non, c'est juste, je crois que c'était un... Dans ma tête, je pensais que c'était un truc pour régénérer sa vie. Et justement, j'en aurais bien eu besoin, mais non, en fait, c'est... Ce n'est rien. Ce n'était qu'un leurre. Oui, non, mais ça, j'ai déjà lu. Oh oh! Bénédiction furie. Ok, je sais pas s'il reste des ennemis dans le donjon, mais sait-on jamais. Et ben voilà. Il suffit de demander. Comment battre? Haha! Poison! Bam! Allez, on termine. 11 de dégâts, ouais, avec le bonus critique, là. Bon, bah c'est cool. Allez, il nous reste juste une case, enfin, un passage à explorer. Et c'est une carte mystère, bière trou noir, supprime les effets négatifs, intéressant. Piller et sortir, yeah. Allez, bonus complet, j'ai la triforce du courage. Butin, du malt, ok. Et ben voilà. Et ben je pense pas que la démo, j'avais été plus loin que ça, ou du moins, je sais pas si ça allait plus loin que ça. Ça se corse dans le donjon. Ok, alors, où est-ce que je sauvegarde? Est-ce que je peux sauvegarder ou non? J'ai l'impression que ça se sauvegarde automatiquement. Bon, ben, moi, je vais m'arrêter là pour ma session de jeu. Je pense au moins avoir fait 2 vidéos. Je pense que je reviendrai dessus. Je m'amuse un petit peu. Je m'amuse en plus à faire les voix. C'est rigolo. Ça passe le temps. Moi, j'aime bien. Dites-moi si vraiment vous en voulez en voir plus ou pas. Dans tous les cas, je vous dis merci. Et puis, bah, à très bientôt pour la suite. Salut !